reflections on. Hello! Hello à tous et à tous, c'est Maxime Molin et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de James Bond, enfin de GoldenEye Reloaded 007 édition M6. Et là, on s'est arrêté la dernière fois au barrage. On avait tout fait péter, on va tout faire péter. On voulait s'échapper avec notre collègue 006, mais il s'est fait capturer par Ouramov. Malheureusement, il s'est fait descendre par ce dernier. Mais là, on va tout faire péter, on va s'échapper. Wow, ça va être drôle. Je suis des Black Carambar, hein, pour vous sortir. Bond OMI6. Oui, j'ai. Il me faut une extraction, vite. Allez, mamie, hein, envoie-moi. Extraction prévue dans 9 minutes. Je ne tiendrai pas 9 minutes. Trouvez autre chose. Il y a un avion en train de faire le plein à l'autre bout de l'aéroport. Donc y'a mamie M qui et Bill Tanner qui vont nous envoyer des renforts. Enfin non, je déconne. Ils nous disent qu'il y a un avion de pas loin, donc va falloir y aller. Sauf que là on a un hélico et on a plein de méchants qui veulent nous faire la peau. Mais le plus gênant là c'est surtout l'hélico. Ouais, je sais bien viser. Donc lui il va être chiant cet hélico. Ah non, mais quand je dis chiant, c'est qu'il va nous casser les rondelles. Lui, je déconne pas. Lui, il va nous casser les rondelles, Nico. Putain. Bon, on va se replier là. Oui, c'est une meilleure cachette ici. Qui c'est qui m'a en visuel? D'après ce que j'ai vu la première fois que j'ai fait là, les balles ne lui font rien, mais alors absolument rien. Donc là, il va falloir courir et s'abriter. Ah oui, hein, faut pas faire de front. Hein. Là, ça va être chaud hein, ici. Je risque de mourir. Ah oui, parce que là, il va y avoir des tonnes d'ennemis qui vont nous foncer dessus. Ah, il y a déjà l'hélico là. Et l'hélico c'est que la partie émergée de l'iceberg. Donc là, on va se mettre là où il n'y a pas d'hélico. Et on va tirer sur les ennemis. C'est-à-dire on va tirer sur les ennemis, voilà. Ah lui il a fait vol planer. Donc l'hélico il est là. Donc voilà. Donc on va rester derrière le pilier. Ce con il peut pas nous avoir. Il est pas assez intelligent pour aller là-bas. Je vois qu'il y a un autre ennemi là. Oh. Papa! Géronimo! Eh merde! Qui c'est qui me tire dessus? Merde, qui c'est qui me tire? Wesh! Allez, vas-y. Donc là, les ennemis, ils étaient en hauteur. C'est pour ça que oui, ces enfoirés, ils étaient en hauteur. Donc, je les ai pas vus. Bah, c'est bon, ils ont disparu de mon radar, les ennemis en hauteur. Prenez au nord à la prochaine courbe. Ah. Vous tomberez sur la tour de contrôle principale. Ah, non. J'ai quoi, en fait? Ok. Oh, je garde celui-là. Hop, 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 hop. On t'en fait tout péter. Ah oui, quand ils disent que tout va exploser, c'est vrai comme ça. Ouais, mais nous, on est James Bond, on peut prendre notre temps tranquille. Ou pas. Allez, on est James Bond, on va survivre.
On a survécu à pire que ça. Oui, sans deck, hein. On a survécu à pire que ça. Oh putain, putain de grenade. Putain, c'était des grenades de merde, hein. Moi, les grenades que j'ai lancées, ça explosait sur 300 mètres, hein, les projectiles. Oh putain. Oh, moi, là... Là, on est sûr qu'il est mort. Enfin, je sais pas. Je dis, on est sûr. Mais un ami... Mais si, on est comme dans Call of Duty, hein, où il y a un certain Menendez qui arrive à survivre à je ne sais pas quoi. Et un ami me l'a dit. Car moi, je ne sais rien, je n'ai pas joué. Hein, à part le premier Black Ops. Et Battlefield en ce moment. Franchement, je sais pas, mais d'après ce qu'on m'a dit, ce fameux Menendez, il arrête pas de faire son Terminator. Non, le Snipe, je le garde. Qu'est-ce que je prends? Anova, oui, la Nova était bien, mais je prends... Oh oui, celui-là, il est bien. Vas-y. Ah, là, il y a pas mal de nouvelles armes, hein, donc là, voilà, je vous les teste. Hein. Je vais essayer de vous faire tester toutes les armes. Hein. Alors là, je vous le dis déjà, on se replie par là. Voilà. Voilà, c'est ce que j'avais fait la première fois, et là, on va essayer de tous les niquer, mais alors... discrétion. Donc là je vais péter ce truc que j'avais changé la première fois il me semble. Donc là il y a un Anova, ok, je m'en fous de l'Anova. Donc là il y a les portes sont fermées donc voilà, faut faire gaffe quand même à ce que le truc là il pète pas. Donc là mes camions là. Ok. Ouais, on va essayer de se les faire, hein. Bon, je dis pas que ça va être facile, hein. Il est obligé de se lever pour viser, ce con. Putain, j'en ai eu un, c'est ça? Ouais, j'ai entendu un cri là. J'en ai eu un. Eh, pourquoi on l'a acheté, vu toi? Ah non, il est pas mort. Ah non, il est mort. Ah, toi. Alors lui, niveau dissuasion, mec. C'est un beau bug ça. Oh ouais. Si jamais je m'appuie pour viser juste quand je suis en dessous du truc, ça me reste accroupi tout en étant en visant. Oh, c'est pas mal cette technique. Bon, il reste plus que deux ennemis, allez, sortez votre tronche de cake et que je vous expose la face. Ça c'est de la face quand même. Hein. Et pour... Ah non, il y a un peu plus que ça qui reste. Ou... Ah non, il est vraiment là. Ah, je sais pas, sur le radar, je vois pas ce truc. Ah non, je crois que c'est l'hélico qui est en train de me tirer dessus. Pourquoi? Ah, ah non, c'est vraiment un autre ennemi. Eh, vas-y, on va lui péter sa gueule à l'autre ennemi. Si, je crois qu'il y a quand même l'hélico. Ouais, il y a quand même l'hélico, c'est lui. Eh, vas-y, on utilise. On va lui péter sa gueule à l'hélico. Ah, ça c'est du réflexe, hein. Dès que j'ai vu le truc, appuyer. Donc voilà, l'hélico il est pété, hein. Il nous fera pas chier, ce con. Donc là, on va prendre celui-là, hein, pour le tester. Ah oui, il est pas mal. Ah oui, il est même super, hein. Et du con, salut. Boum. Ah oui, ça c'était de l'attaque, hein. Je déconne pas, même mamie Zinzin, elle aurait fait mieux. Le toubib. Ça devait être les fameux extincteurs, je sais plus lequel c'est, si c'est le A, le B ou C. En tout cas, ceux qui ont du truc hyper froid. Ceux qui ont de l'azote. Ça devait être ça, hein. Parce que s'il est mort à cause de l'extincteur à eau, c'est con, hein.
Mais ça me fait rire quand même, hein, les jeux comme ça où tu pètes l'extincteur et d'un coup voilà. Hop, il est mort le mec. Mais ça veut dire il est mort directement comme ça il tombe. C'est même pas il s'est fait geler et après tu l'exploses pour qu'il meure vraiment, non. Hein, il meurt même pas gelé, hein, c'est, ouais, c'est con. Par contre, ce qui me fait rire, c'est les jeux où tu cryogénises les ennemis à l'azote. Ah, tu sais pas par là, merci, hein, le jeu. Hein, tu cryogénises les ennemis à l'azote, mais au bout d'un moment, ils dégèlent. Eh. C'est juste un, totalement con, en vrai. C'est impossible de faire ça. Hein. Oh, le pompe. Enfin un pompe, ça m'intéresse, ça me parle. Sauf que je l'aimais bien le truc là. Qui permet de... Ah oui, il permettait de viser loin. C'est le problème. Ouais, vas-y, je le garde. Ouais, l'autre aussi, je l'avais bien aimé, mais il faut faire ses choix. Et vu que ce compte James, il peut pas lâcher son flingue. Qui c'est qui parle? J'ai buté les deux mecs dans le coin. Il y a personne sur le radar, c'est qui parlait? Michel, c'est toi. Ah, c'est toi, Michel. Oh, putain, j'ai pété la console. Pourquoi je suis venu en haut, en fait? Je te montrer qu'il est en bas, vas-y. Je suis en fait un peu con. Vas-y! Le son final! Ouais, vas-y, on va prendre la moto. À partir de là, ça ressemble au film. De nouveau. Ah oui, parce que pour ça, là, cette mission, là, les 10 premières minutes, là, c'était pas vraiment... Ouais. Allez, yes! Ça, c'est la classe James Bond. Et pour quand, là? Vas-y! Comme je vais péter sa gueule à l'autre, là, hein. J'étais sur le truc. Ben vas-y. J'ai réussi. Alors, il est où le pilote? Oh putain, c'était quoi, il s'est fait buter par je ne sais qui, mais en tout cas voilà. Oui, oui, je parle à la place de James Bond. Oh, c'est pas craché. Non, franchement, c'est qui a tiré sur le truc? Si c'est pas moi, c'est qui? 6. La base est détruite. 006 est mort. Je suis désolé. Inutile. Il connaissait les risques. Et vous remontez? Je ne sais pas. Je veux que vous rentriez à Londres. Non. Cet hélicoptère, vous avez eu la photo? C'est un Ludmilla T1. Spécialement modifié. Blindage IEL. Mettez un maximum de pression sur les relations de Roumov. On doit savoir... Qui a besoin d'un hélico capable de résister à une IEM? On va s'en occuper. Terminé. Ouais, on a fini! Donc voilà, on a mis une heure au total pour faire cette mission. Mais là, on a vraiment fini la mission. L'aérodrome, c'est complètement fini. Donc voilà, on a fini la première mission. C'est cool. Mais on va s'arrêter déjà là, oui, pour l'instant j'ai deux. Oui, si une mission est courte, il m'arrivera d'en faire plusieurs à la fois, hein, des vraies missions. Hein. Mais là, pour l'instant, vu que la première mission faisait trois parties, donc j'ai décidé de faire que la première. Donc là, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve prochainement. Pour du Resident Evil. Oui. Mais d'abord, après, avant, je ne sais point ce que je vais faire. Mais ce que je vais faire, je ne serai point. Ouh, ça c'est de la phrase. Allez, bye les gens. Bye bye.